Le président russe Vladimir Poutine se rend chez son fidèle allié chinois sur fond de crise ukrainienne. Une crise dans laquelle Pékin a jusqu'ici refusé de se prononcer. Au programme, signature d'un accord gazier et exercice militaire conjoint, histoire de montrer que le Kremlin n'est pas isolé sur la scène internationale.